Salut les Papouas, salut les Papouas. Nous sommes à Douala au Cameroun. Et bien nous sommes au quartier Bessengue, à quelques mètres de la gare de train. Et c'est ici qu'a choisi Emma Loès pour faire la dédicace de son livre Dans les yeux d'Emma. Et bien on va pas quand même se priver. On va vous présenter, on va vous faire vivre toute l'ambiance qu'il y aura lors de cette dédicace. Dans quelques instants, on sera avec elle. Et bien nous sommes bien sûr avec la Bereka Mobere cadreur d'ici, s'appelle Tchato. Il me suit, allez, suis-moi Tchato. Bien. Ça va super et toi? Ça fait plaisir de te revoir ici dans le continent. Oui, dans le continent effectivement. Emma, t'es venue pour la dédicace de ton livre ou t'es venue pour autre chose? À la base, je suis venue pour être jury au Douala Série, voilà, au Festival panafricain de séries de Douala, la première édition. Donc à l'issue de cela, ils ont décidé d'organiser une dédicace pour mon livre. Emma, ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre? Un an et demi. Un an et demi? Oui. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre? L'amour pour les enfants. J'ai beaucoup d'amour pour les enfants, tout le monde le sait. Et sans compter que j'ai un fils. Et, voilà. Et aussi le fait que je me sois rendu compte que lorsque je sortais la plupart du temps, mes malheurs, en tout cas les plus chaleureux ou quoi que ce soit, c'était les tout-petits. Et ça me choquait parce que je me disais, mais ils me voient où? Comment ils m'ont découverte et tout, et j'avais un besoin urgent de leur donner quelque chose d'éducatif, autre chose, quelque chose de plus loin que, on va dire, les réseaux sociaux. Est-ce que tu es satisfaite de l'accueil du livre? Bah oui, vraiment, vraiment. Je me suis rendu compte que finalement, beaucoup de parents épousaient mon idée, voilà, de pouvoir ramener les enfants plus proches de la lecture et tout, et voilà. Et je suis contente que ce livre se comporte bien et que les parents le reçoivent bien et les enfants aussi. Emma, je sais que tu dois courir, mais un message pour les Papouas rapidement. Les Papouas, je vous fais plein de bisous. Ozone est là, je suis contente. Et voilà, à très bientôt. Emma, une dernière question. Emma, tu sais, je suis Djoula. Je suis Djoula. Tu as eu combien dans cette histoire-là depuis? Je ne dis rien. Faut dire pardon. Faut dire combien. Et puis vous allez m'attendre à Vidjan là-bas. Et vous donnez. Tu dis pas. Je ne dis pas. D'accord. Banda Killa Adem, c'est pour tous ceux qui ont voulu clasher les BCBG. BCBG, c'est Dimi dans la plage, dans la voix. Moi, c'est monsieur, j'ai la classe. Le style est dans la poche, crée la masse. Dimi, foyer, je suis unique. Oui, unique dans ma race. On déménage la main. C'est l'une des tenues de Emma Loès. Oui, c'est l'une des tenues de Emma Loès. Ça te fait quoi aujourd'hui de la voir ici? Je suis très content. Déjà, c'est pas la première fois que je la vois, c'est la troisième fois déjà. Et c'est elle qui. Je dois noter que c'est elle qui m'a demandé de venir aujourd'hui, habillée comme ça. Et celle qu'on voit à la télé, c'est pas elle qu'on a en face de nous, donc elle est encore magnifique en face. Comment? Elle est encore plus magnifique en vrai. Mince, alors on dirait qu'elle dort dans le lait. Elle est trop belle. Elle est sublime. Waouh! Tu as acheté le livre parce que c'est Emma Loès ou toi-même tu aimes lire? Oui, parce que j'aime lire d'abord. Et aussi que Emma Loès, d'abord, elle a un impact sur la population, surtout les jeunes. Donc je pense que ça en valait vraiment la peine d'acheter le livre. Déjà, c'est la première fois que moi, personnellement, je vois Emma Loès. Donc, je suis très impressionnée par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir dans les réseaux sociaux et ça me fait énormément plaisir de l'accueillir à Canal Olympia Douala. Alors, merci. C'était la dédicace du livre de Emma Loès. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. On se retrouve sur le plateau. Showbuzz continue tous les jours du lundi au vendredi à 11h40 sur NCI. Merci, mon cadreur. Tchato, merci. Allez, on est ensemble. I'm